importante influence politique. Le guide de Berne ne parle pas de ce chanteur, Mani Matter, juriste et fonctionnaire à la ville. Le soir, il chante ses chansons dans une cave avec les Berner troubadours. Peut-être que le guide ne dit pas tout. Es braucht ihn nicht die gleiche Zeit, eine Kuh der Terre will, und ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet. Aujourd'hui dans les caves, on chante, on boit, on mange, on parle d'idées qui sont dans l'air, on expose des peintures ou des objets d'art, on vend des affiches à la mode ou des antiquités. L'entrée des caves est discrète. De jour, quand elles sont fermées, rien ou presque ne les signale à l'attention. On compte trois théâtres dans les sous-sols de la vieille ville. Le Zitglocke, la Rampe et le Kleintheater. Une cave célèbre est aujourd'hui fermée, la Junkerée 37 de Sergius Golovin. Et qu'est-ce que c'était la Junkerée ? Oh, enfin, c'était une place, on a discuté, on a fait des discussions avec des gens de politique, c'était presque la première discussion à Berne qui était, par exemple, entre marxistes et entre chrétiens, par exemple, Konrad Farn avec Kurt Marti, laisser venir des poètes, on a laissé venir par exemple, je crois, nous étions presque les premiers, des communes, des rockers, des hippies, raconter leurs exploits, on a laissé venir aussi des vieux gens de Berne, raconter les histoires des fantômes et des sorcières, et enfin tout, on avait tout. Le théâtre de la Rampe a été fondé il y a une dizaine d'années par Bernard Stiernimann, un membre des Berner Troubadours. Les Berner Troubadours écrivent paroles et musique de leurs chansons satiriques qui parlent de la vie, ou de Berne, ou de la sottise, ou d'autres choses, mais surtout de la manière de rire, et tout cela dans un esprit frondeur et poétique. Und wenn er damit auf den Bahnhof zurückkommt, ist der nächste Zug halt auch schon nicht mehr da. Das kommt halt davon, denkt er, dass ich nicht gründlich den Fahrplan habe gelesen vorher. Und liest nicht auch genau, bis er sieht, dass inzwischen gerade wieder ein Zug gefahren wäre. Jetzt bleibe ich hier auf dem Perron, so nimmt er sich vor, dann verwünsche ich ihn schon. Und bleibt dort und wartet, dann wartet der Zug auf dem anderen Perron davon. So steht er noch heute auf dem Bahnhof da rum, das heisst, wenn er nicht gestorben ist. Und während er wartet auf die Züge, die ihm absehen, geht ihm der nächste oder der Büsch. Vous êtes un fonctionnaire de la ville. Oui. Donc les Berner Troubadours, ce n'est pas des professionnels. Non, il n'y en a pas qui soient professionnels. Oui, c'est un, comment dirais-je, c'est un groupe de gens assez jeunes qui font des chansons. C'est tout ce qui les unit, c'est qu'ils font tous des chansons et tous des chansons en suisse allemand, donc pas en bon allemand. Berndeutsch. Oui. Oui, et ici on a un théâtre d'essai, si vous voulez. C'est-à-dire on fait des pièces de théâtre modernes. Et entre les pièces, pour gagner du temps pour les répétitions, on fait souvent de la chanson, de la pantomime, des choses comme ça. Oui, on pourrait peut-être dire que c'est ce qui se passe ici, c'est souvent de la culture non officielle. Déjà, ça mais se vous, montre... vous êtes assez officiel. Oui, moi je suis officiel dans mon métier. Mais pas dans ce que j'entends. Oui, on l'est devenu, oui, finalement. On est officiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous entendre, mais, ouais. Mais c'est tout. Mais je crois que quand même dans toutes les caves, si on peut trouver un trait commun, c'est que c'est tout la culture non subventionnée, de la culture qui a poussé de soi-même plus ou moins sans qu'elle soit liée dès le début à une institution, comme par exemple le théâtre de la ville, comme les concerts d'abonnement et toutes ces choses-là. C'est un peu, c'est dans, seulement sur ce point de vue-là, je crois qu'il y a une certaine antithèse entre la culture officielle et ce que nous faisons nous dans les caves. Le public des caves a le mérite d'être très mélangé. Des jeunes, étudiants, mais aussi apprentis et collégiens, des anciens, ceux des années 55-60, et encore les habitants des quartiers, rassurés par le côté familier, familial de l'atmosphère.